Ok, salut mon chum, bienvenue à notre épisode de Chummy TV. On est prêt à enfin commencer la saison 2015-2016. Je sais que ça a été long, je sais que ça a été compliqué. Il a fallu faire des échanges, il a fallu changer l'allure de l'équipe parce que ça fonctionnait juste pas. On gagnait pas de Coupe Stanley depuis 2 ans. Puis on avait l'équipe pourtant. Donc, dernière vidéo, on est allé chercher Gabriel Landeskog et deux tout croche contre Nathan Gerby et Leopold et deux jeunes aussi qu'on n'a pas besoin. Et on est allé aussi chercher Chris Brown contre Corey Trapp. On a fait une coupe d'échange. Je pense que là, notre équipe regarde bien pour la saison, même si on est en reconstruction. Je veux dire, on a Drouin, on a Dano peut-être qui n'ont pas d'affaires en NHL. Mais sinon, là, honnêtement, on a une équipe qui est très solide pour la NHL. Surtout que Granlund, Schwartz, Landeskog vont s'améliorer, j'imagine, dans les prochaines années. Tout comme Drouin, Biggs aussi. Wilson pourrait continuer de s'améliorer. Brown aussi. On a vraiment des bonnes recrues. Gauthier Leduc et Simmons en défensive, ça c'est notre point faible, notre défensive. Surtout qu'on veut plus Christian Eroff, on l'a mis sur le trading block. Mais on a Sechi et Myers, on a McNabb. Simmons, j'espère qu'il va s'améliorer plus. Gauthier Leduc aussi. Sinon, ça nous prendrait encore un défenseur 4 étoiles et demi, 5 étoiles, comme Ekblad. Mais ça va venir avec le temps, comme on l'a dit dans les dernières vidéos. Faut prendre notre temps parce que présentement, c'est compliqué d'aller chercher Ekblad. On va attendre un peu quelques matchs. Puis on a Eroff. Et on a aussi encore Grigorenko. On a un jeune de trop, honnêtement. On a une couple de joueurs qui peut jouer ses deux premiers trios de trop. Comme Grigorenko devrait jouer sur les deux premiers trios. Lui est trop parce que on a un attaquant de trop présentement. Donc peut-être qu'on peut mettre Grigorenko et Eroff contre Ekblad. On checkera ce que ça va donner. Surtout qu'on a aussi Ryan Miller de disponible. Mais pour l'instant, je veux commencer la saison avec. Parce que je peux pas aller chercher ce que je veux pour Ryan Miller. Lui qui vaut beaucoup. Mais bon, ces deux-là sont sur le trading block. Miller et Eroff. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens vont nous offrir pour. Sinon, ben c'est comme ça qu'on va commencer la saison. Faut être patient. On peut pas échanger nos joueurs de même juste pour faire des échanges. On veut quand même gagner la Coupe Stanley. Si pas l'an prochain, l'autre d'après. On essaie d'aller, peut-être, j'avais prévu un plan 5 années dans les dernières vidéos, mais je pense que 2-3 ans devraient suffire pour nous rendre en finale de la coupe et peut-être gagner une deuxième coupe cette année pour les Nordiques. Du moins, c'est le but. Donc, on revient sur les capitaines. Jason Pominville, toujours capitaine. Par contre, j'ai besoin de toi cette année, il faut que tu fasses mieux que l'an passé. J'ai pas confiance en toi, mais let's go, prouve-moi que t'es un capitaine, le piment, puis faut que tu reviennes. Comme t'étais l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley. Là, t'es premier centre, t'as beaucoup de responsabilités dans cette équipe-là. C'est toi le leader, c'est toi le plus vieux de l'équipe quasiment. Donc, on a vraiment besoin de toi. Sechi assistant, peut-être pas. On va mettre Tyler Ennis assistant. J'aurais mis Gerby, mais il est plus là dans notre équipe. Ça m'a fait mal d'échanger Gerby, honnêtement. Vous vouliez tous qu'on l'échange. Dans les commentaires, je vous ai lu. Vous vouliez tous qu'on échange Gerby. Ça a été fait, mais Gerby, je l'adorais. C'est un joueur qui était toujours là. Même quand l'équipe allait pas bien, il marquait, il faisait des passes. Mais bon. Fallait choisir entre Ennis et Gerby. Ennis est un tireur d'élite. Ennis est un meilleur en power play. On va garder Tyler Ennis pour la suite des choses avec les Nordiques. Mais des fois, faut faire des compromis. Hein. Faut souffrir pour être belle, comme on dit. Donc, Tyler Ennis, assistant, et Steve Ott aussi, l'autre assistant, ça me va. Donc, voici nos assistants. Dans la Ligue américaine, on s'en sac ben raide. Grigorenko est sur les premiers trios de Ligue américaine. Je pense qu'on peut commencer la saison, honnêtement, drette tout de suite. On va faire un bon bout de saison. J'espère me rendre juste... jusqu'à la nouvelle année, jusqu'au 1er janvier dans cette vidéo-là. Ok, premier match contre les Devils du New Jersey. Ce match-là, on va le simuler vu que c'est le premier. On est à domicile en plus. Je veux voir un peu de quoi ça a l'air. Si on se fait vraiment manger ou pas. Mais comment, première période, 1-1. Donc, Sechi marque. Donc, le premier but de l'année de la nouvelle formation des Nordiques. C'est Cody Sechi qui le marque. Et puis, Ted Enby pour les Devils. Honnêtement, les lancers, on les bat présentement. Même si on a eu un power play, c'est 13-13. 15-13 même. Granlund marque un deuxième but. On prend les devants. Sérieusement, j'ai confiance en mon équipe. Je pense que même si on n'a pas des vieux, pas beaucoup d'assurance, c'est l'espèce de chose qui fait semblant que sont meilleurs en fin de match, sont meilleurs en playoff, même si on n'en a pas tant que ça. Je pense que notre équipe peut se rendre loin. Puis on a le bon gardien. On a peut-être pas la défensive pour, mais on a une attaque à tout casser. Regarde ça, 4 buts, 37 lancés. Granlund en a marqué 2. Le premier trio, le deuxième trio, nos défenseurs, ça revient de partout les buts. Là, c'est 4-3. Et puis Miller a bloqué, a fermé la porte. On a gagné le premier match de la saison des Nordiques. Excellent. Granlund, Sechi, 2 points. Parfait. Même Pominville a marqué. Donc tout va bien pour l'instant. Et puis on a 2 matchs contre les Canadiens. On va simuler jusqu'au deuxième. En plus, c'est même pas un home and home. Come on! Ça devrait être un match au Colisée Vidéotron puis un match au Centre Bell, au moins.
Une autre victoire, 2-0 pour les Nordiques, 4-2 la victoire. Granlund a déjà 3 buts, Myers a 2 passes, ça va très bien. 7-5 la défaite. Et ça, c'est des matchs qu'on pourrait voir souvent cette saison. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas une grosse défensive. Bon, j'en parle, puis on fait un jeu blanc. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas une grosse défensive. Défaite de 7-5, c'est le genre de match qu'on va s'attendre à voir parce qu'on a une grosse attaque, puis on n'a pas une bonne défensive avec Simmons, avec Gauthier-Leduc. J'ai pas confiance en ces deux-là. Puis je pense que plusieurs fois cette année, on pourrait perdre des matchs 7-5, 7-6, 8-6, avec beaucoup de scores. Sauf que là, comme j'en parle, on fait deux jeux blancs contre les Canadiens de suite. Ryan Miller est dans la zone. Excellente nouvelle pour contre nos rivaux du Canadien. Ils nous ont humiliés l'an dernier en playoff, alors qu'on était supposé être l'équipe qui avait l'avantage. Mais là, cette année, c'est différent. On a une nouvelle philosophie, on a une nouvelle mentalité dans notre équipe. On y va avec la jeunesse. Comme dirait Barney Stinson, new is always better. Donc, ceux qui sont familiers avec I Met Your Mother l'ont sûrement compris. Donc, le troisième match en 4 contre le Canadien de Montréal. Une grosse série ici. On pourrait quasiment penser qu'on joue au baseball. Au Colisée Vidéotron, comme en première période, gars, ça je disais. Finalement, le Canadien a trouvé la solution à Ryan Miller. Vermette et Heller ont marqué, mais Ennis en a marqué 2 sur T-Cosun. Donc, c'est pas Carey Price d'un but. Et Kyle Beach qui marque en début de deuxième, fait chier. C'est 14 lancés pour nous. On a vraiment beaucoup de lancés. On a une belle attaque. Présentement, ça va très bien pour les Nordiques. Je suis même agréablement surpris du résultat qu'on a. Tyler Biggs, du haut de son troisième trio, qui marque. Et Gauthier-Leduc qui marque probablement son premier but dans la NHL pour Jérôme Gauthier-Leduc en powerplay. Donne les devants aux Nordiques en fin de deuxième. Et Pominville en rajoute en powerplay. 5-4, Gianta, tabarnache, il y en a donc des buts dans ce match-là. Et comme je vous en parlais plus tôt, justement, je m'attends à ça. 5-5, Pacioretty qui marque sur Miller. Et là, faut absolument qu'on score. 6, Steve Ott. Oh mon dieu, 6-5. Let's go, faut qu'on gagne ça. Oh, 7-5, Tyler Ennis complète le tour du chapeau dans une cage vide. Quel match de fou. 40 lancés à 27. Cousin n'a rien stoppé pour le Canadien. Ennis a 3 buts. Schwartz a 4 passes, man. C'est incroyable. Jaden Schwartz, quel bon joueur pour les Nordiques. Je suis très content d'aller chercher ce joueur-là parce que c'est le meilleur passeur de la ligue actuellement. 7 passes en 4 matchs dans la pré-saison, on se rappelle. 4 passes juste dans ce match-là pour aider Ennis, pour aider Pominville. Good job, Jaden Schwartz. Il score pas beaucoup, mais c'est un héros obscur. Surtout qu'il n'y a pas de photo, ça fait drôle à dire, tu sais. Il est vraiment dans l'obscurité. Braden McNabb aussi a 3 passes. Donc ça, c'est un défenseur que je m'attendais pas, qui allait faire beaucoup de points, que je me suis dit probablement qu'il va falloir le renvoyer dans les mineurs contre Brennan ou quelque chose. Parce que McNabb, j'avais pas confiance. Mais finalement, gars, c'est lui qui a le plus de minutes de punition. C'est lui qui est le meilleur d'un plus et moins, McNabb. Et un autre jeu blanc, c'est incroyable. Ça va très bien pour les Nordiques. 6-1-1. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait avoir une saison de misère. Notre DG nous dit de faire les playoffs. J'étais pas certain. Mais à date, juste le mois d'octobre, là, ça va comme sur des roulettes pour les Nordiques. Au-delà des attentes. Jaden Schwartz a 12 passes déjà en 10 games, même pas. Ça va très bien. Ennis, notre meilleur buteur, ça c'est correct. Un bon cru pour la draft, ok, c'est bien, c'est noté. On va continuer de simuler par contre. Là, faut avancer un peu plus que ça. On va mettre. Oh, attends un peu, je vais peut-être mettre Makarov une coupe de match. Là, ça va bien. Il a perdu 2 matchs de suite, Miller. On va mettre Makarov. Excellente idée, Gabriel. Bravo. Makarov dans le but. On va garder les trios comme ça pour l'instant. On checkera plus tard. Mais je pense que tout fonctionne présentement. McNabb, Eroff, Gauthier-Leduc, Simmons, excellent. Ouais, Gauthier-Leduc a-t-il marqué son premier but? Juste voir s'il n'y en a pas plus qu'un. Non, un but, premier but dans les NHL pour Gauthier-Leduc. Bonne nouvelle pour le kid. Excellent. S'il peut s'améliorer un peu plus. On va aller contre le match contre le Canadien encore. Mon dieu, 4 matchs contre les Habs en à peine 2 mois. Une victoire de 7-0. Wow, tabarnache. Ça, c'est Makarov. Ça, c'est nos défenseurs. Ça, c'est notre attaque. Tout a fonctionné encore pour les Nordiques. Malade. Et puis, on va aller voir les recrues, justement. Ils nous en parlaient. Ejda a une bonne... Attends, je veux recruter quoi? Moi, je veux recruter un défenseur. Je veux recruter clairement un défenseur. Ejda a de l'air fort. Voyons voir. Continuons. Élite 4 étoiles en Russie. États-Unis. OK, on va aller voir Ejda. On va aller voir Ejda. Ils sont juste 5, donc on va faire 3 semaines pour voir cette recrue-là qui a peut-être 5 étoiles. Je suis pas sûr qu'il y a 5 étoiles, mais peut-être, donc on va vérifier. Je sais pas, je vais laisser Makarov encore. Si on voit qu'on perd souvent, on arrêtera la simulation. Mais c'est pas plus grave que ça. Une autre victoire pour les Nordiques. Pominville a 10 goals. Schwartz a 17 passes. Ça va être un... Ah, j'aurais dû le mettre assistant. Peut-être l'an prochain, si Pominville prend sa retraite, si on n'a plus besoin de Pominville. Mais pour l'instant, j'y ai fait son speech en début de saison à Jason. Et là, ça fonctionne bien. 11 buts. C'est notre meilleur buteur avec Ennis, sûrement, qui est pas trop loin. Notre premier trio fonctionne beaucoup mieux
que quand on avait Thornton, Higgin là, que quand on avait c'est qui les autres qui étaient là, Pommerville l'an passé il était pas très fort, que quand on avait qui s'en s'est débarrassé, Leopold, nos vieux qu'on a plus de besoin, c'est une bonne nouvelle parce que les jeunes présentement font la pluie et le beau temps avec à Québec dans le Colisée Vidéotron. Excellent. Ça prend une victoire ici, sinon j'arrête. Défaite, on arrête ça, on remet Miller dans le but. Makarov, t'as eu une coupe de match, mais non, ça a pas été trop bien. 4 défaites en 5 matchs. On va remettre Ryan Miller dans le but. Mon Dieu, je suis quasiment en train de changer de philosophie. Je me dis qu'on voulait améliorer nos jeunes cette année, mais là, je suis en train de penser qu'il faut y aller pour les playoffs. Faut y aller pour la coupe, Colin, peut-être dès cette année. L'autre match contre les Canadiens, c'est incroyable. Je pense qu'on va avoir joué nos 6 games en 2 mois. C'est tellement bizarre. Le calendrier est fucké en crise. Command Miller! Ah, une défaite de 2-1. Là, ça va moins bien. Là, ça va moins bien. On est dans une petite léthargie pour les Nordiques. Mais je pense que contre le Canadien, c'est le moment de remettre ça sur les roulettes. Command, une victoire. Ah, 5-4 la défaite. Ça fait mal. Je voulais gagner contre le Canadien encore. Oh, j'aurais été beaucoup plus content de gagner ça. Une autre défaite contre les Jets. Bon, peut-être que là, on revient à la réalité. Peut-être qu'on n'a pas une équipe pour les playoffs. On a eu un bon début de saison. Peut-être que là, je veux pas arrêter la simulation. C'est Miller, on a le meilleur gardien. On peut rien faire. À la fin du mois de novembre, si ça s'est pas amélioré. Victoire par jeu blanc. Au moins, il y a ça. Qu'est-ce qu'il dit, le petit Haïda, finalement? Défenseur, you see qui? Ici, en Suisse? Non, il est là. Haïda, finalement, c'est un 3 étoiles et demi, donc ça vaut pas grand-chose. On va aller en Suisse encore pour un mois. Ben, pas encore, mais on va aller en Suisse pour un mois. Après ça, on fera plus tard dans 16 ans. Là, on a gagné contre les Rangers. On va aux Canadiens. Oh, il reste 10 jours, blablabla, blablabla. Non, c'est beau, on s'en fout. On s'en fout de lui, Renta, c'est pas grave. Personne le veut, je le veux pas non plus. On n'a pas besoin du gars-là, puis tout va bien. Donc, les Rangers, une autre victoire, s'il te plaît, par jeu blanc ou même n'importe quoi. Beaucoup de buts, quelque chose. 5-4, beaucoup de buts, c'est bon. C'est bon, on a gagné. Miller est là. Là, on a un match contre le Canadien. Si on perd ce match-là, on va aller jeter un œil sur notre alignement. Parce qu'on a vraiment pas eu un bon milieu du mois de novembre. Mais je pense que contre les Canadiens, c'est le temps encore de gagner. Let's go. On simule ce game-là. Première période, au centre Bell. Jason Pomainville, qui d'autre que notre captain qui donne les devants après une période. Mais Galchenyuk. Oh, la recrue Galchenyuk qui égalise la marque. Et 20 lancés après la moitié de la deuxième période. Ça s'enligne pour un match de 40 shots, ça. Et toujours 1-1. Mais Tyler Biggs donne les devants aux Nordiques. Mon Dieu, il est tellement fort, Big. Ça, je suis content d'être allé chercher. Puis, je pense que si notre powerplay fonctionne pas, si on se rend compte que notre powerplay fonctionne pas, ça va être Biggs qui va aller à la pointe avec son lancer foudroyant. Mais là, Carl Beach qui marque encore. C'est qui ce gars-là? Depuis quand il score des buts? Surtout avec les Canadiens. Puis là, Plekanec qui donne les devants après une minute à faire. Non! Défaite, fait chier. Plekanec, Ryan Miller, t'aurais pu faire l'arrêt là-dessus. Oh, on avait les devants 2-1 et puis on s'est effondré en troisième. Ça fait mal. Jerome McGinley a changé encore. Nemesnikov et Tommy Veilleux. Et je pense que c'est qui? C'est San Jose peut-être? Ou bien c'est Tampa Bay qui a acquis Jerome McGinley. Je sais que quand j'avais échangé McGinley au Colorado, il ne voulait pas pantoute. C'est juste parce que la valeur était beaucoup plus. Je leur en donnais beaucoup plus que ce que je recevais. Mais c'est ça. Ok, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Tampa Bay est rendu avec Jerome McGinley. Donc là, on est 11 et 9. Voyons voir peut-être le classement. Présentement, les Nordiques sont 9e, c'est ça. On avait eu un bon début de saison, on a vraiment baissé dans les dernières semaines, mais c'est pas plus grave que ça. Dans les buts, 15 buts, Jason Pomainville est 4e buteur, donc il fait comme je lui ai demandé. Je m'attends à rien de moins de ça que Jason Pomainville, et puis c'est le Jason Pomainville de la première saison des Nordiques quand on a gagné la Coupe qui est là. Excellent. Sinon, dans les assistances, check ça, c'est Schwartz. 25 passes, waouh, c'est vraiment un passeur exquis dans ce jeu-là. Point maintenant, Jason Schwartz est 4e pointeur avec 31. C'est encore bon en tabarnache. Puis Pomainville, lui, est pas là, mais il doit pas être trop loin. Même chose pour Tyler Ennis. Dans les victoires maintenant, Miller est pas là parce que Makarov en a gaulé beaucoup. Et puis dans les pourcentages non plus, Miller est pas là. Ça fait peur. Je pensais que Miller allait avoir une meilleure saison que ça. Si je veux l'échanger, faut qu'il aille des bons résultats. Mais on va aller voir les statistiques des joueurs, voir si c'est quoi qui fonctionne pas. Je sais que Biggs est excellent du haut de son 3e trio, mais Dano, je l'ai pas vu ben. Dans les matchs que j'ai simulés, je l'ai pas vu. J'ai hâte de voir qu'est-ce que fait Dano, qu'est-ce que fait nos défenseurs Siemens, j'espère qu'il est dans le plus loin. C'est ça que j'y demande. Donc, premier trio fonctionne très bien. Un point par match et plus pour les trois. Même Ennis, c'est peut-être à 2 points de faire ça, mais c'est correct. Deuxième trio, Granlund, Landeskog a pas assez de buts. Et Youlout. C'est qui est sur le troisième trio avec ces gars-là? Mon Dieu, c'est qui? Attends un peu, là. Il manque-tu un... Je suis fou, moi, là. Granlund, Landeskog. C'est qui est... C'est qui est l'autre? C'est Drouin! Ah non, Drouin a juste 5 points sur le deuxième trio! C'est ça, je viens de comprendre. Il est moins 6 en plus avec Landeskog. Et, oh non, Drouin, ça fonctionne pas partout.
Drouin, ça fonctionne pas. Je pense qu'il est là le problème. Il est là le problème pourquoi on n'est pas deuxième, pourquoi on n'est pas quatrième, c'est Drouin. On va mettre Grigorenko, puis ça va commencer direct là. Puis Dano a deux buts, donc c'est pas si pire quand même, c'est le troisième trio. Mais Steve Hutt a 10 points, Brown a 9 points, Biggs a 9 points aussi. Ça, c'est 3 bons joueurs. Wilson n'est pas mauvais non plus. Talbot est excellent. Je pense que, sérieux, je vais monter Steve Hutt sur le troisième à la place de Talbot. On va changer une coupe d'affaires, mais ça va être assez mineur. Défenseur Cody Cechi, 15 points, c'est pas assez. Myers a pas de but, ça c'est pas bon non plus. Ça prend plus d'aide de la part de nos défenseurs. McNabb, 9 passes, ça c'est bien. On s'attendait à ça, c'est correct pour McNabb. Errof, 7 points seulement, c'est pas assez pour un gars qui est un vétéran, qui est un des plus vieux dans notre équipe, qu'on veut échanger en plus. Gauthier Duc, 6 points, excellent, je peux pas demander mieux. Il y a plus de points que Drouin, fait que gars, c'est pas compliqué. Ça va très bien pour Gauthier Leduc. Et Siemens est dans le moins 2. Donc ça, c'est peut-être plate un peu. Mais on veut l'améliorer. C'est pas plus grave que ça. On s'attendait à ça. Miller, 18 games. 2.50. Les pourcentages d'arrêt, c'est pas mal serré entre les deux. Makarov est pas mauvais. Faut pas se gêner pour le mettre dans l'alignement. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais juste aller voir les stats de Grigorenko. Grigorenko. Dans la Ligue américaine. S'il est dans nos top scorers, c'est clair qu'on va le monter. Puis on va baisser Drouin. Parce qu'il fonctionne pas pantoute. Puis c'est plate parce que c'est une déception. Parce que c'est un de nos, dans nos top 5 des choix qu'on a pris. Grigorenko, 9 points en 18 games, c'est pas bon tant que ça. Mais je sens que notre équipe de la Ligue américaine est vraiment pas bon. Elle est pas bon en gros, donc c'est pas surprenant non plus. Il y a personne dans cette équipe-là. À part nos défenseurs, il y a Conley qui est fort. Brennan, tu sais, on a Brennan. Finley est fort, mais on a vraiment pas personne. Gardien, Foucarlé, 89%, c'est pas grave, c'est toi qui vas gauler toutes les games pareil. J'ai besoin de Foucarlé pour aider Makarov, mais que Miller soit plus là. Donc là, on va aller dans Options des jeux, on va aller dans Composition. Ok. Attends un peu. Drouin, tu vas baisser. Non, attends un peu. You Grigorenko, là. Faut qu'on monte Grigorenko. You Grigorenko. Ah, il est 7 voilà. Grigorenko. Drouin, tu baisses. Ça, c'est beau. Dano, c'est correct. Juste ça, Grigorenko ici. On va le mettre deuxième centre. On va voir ce que ça va donner avec Granlund et Landeskog. Peut-être que ça va les relancer. Ah, t'es meilleur que Talbot. Biggs est excellent. Dano est pas fort, mais on va le laisser là pour son temps de glace. Et puis, ça va être bien aussi. Défenseur, Errof, McNabb, Myers, Cechi. Non, on va laisser ça comme ça. Faut que j'aille checker, c'est vrai. Faut que j'aille checker si le powerplay fonctionne. J'ai oublié d'aller checker ça. On va mettre Grigorenko où c'est que Dano, c'est que Drouin était. T'as peu. Drouin était-tu là? Ouais, on va mettre Grigorenko ici avec Ennis. Granlund et Landeskog. Granlund, Landeskog, Miller. On va mettre Makarov. On va aller checker nos statistiques d'équipe maintenant. Voir le powerplay. Est-ce qu'on met Tyler Big? Je pense qu'il mérite. Je pense qu'il a joué d'excellents matchs. On va aller voir pour être certain de notre affaire. Présentement, en pourcentage de victoire, on est 14e. Donc, honnêtement, c'est plus haut que les attentes, surtout pour les buts marqués. Mais en défensive, 2.75, c'est encore trop de buts. Je pense que si on avait Makarov d'un but, ça serait pire. Miller nous aide de ce côté-là. 21%, c'est quand même bon. 10e équipe en powerplay. Puis Piqué, 9e, c'est pas mauvais. Sauf qu'on est sur une séquence de 3 et 6. Ça, c'est décevant dans les 10 derniers matchs. Je vais aller voir qui marque pas de but en powerplay, puis je vais mettre Biggs, parce que avec sa bin, je pense qu'il peut... Ah, mais gars, Gauthier Duc, Myers, Cechi, Errof. Myers a pas scoré, mais je peux pas l'enlever du powerplay pareil. Errof est un défenseur offensif aussi. Granlund, Landeskog, Grigorenko, Schwartz, Ennis, pas Mavis. Ce qu'on va faire, on va enlever Landeskog. Hein? C'est plus un joueur défensif. Il a un bon shot, mais il nous aide pas tant que ça. Powerplay goal 1 seulement. Grigorenko, Granlund. Granlund est quand même bon. Granlund est bon. J'ai besoin de ce gars-là. 14 points, 4 power play goal. Non, j'ai besoin de Granlund. La première trio fonctionne très bien. Ennis, Pominville. Cechi, Errof, ça score pas. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre Cechi avec Gauthier-Duc. Juste essayer ça comme ça. Puis Errof et Myers. Ils n'ont pas scoré de power play goal, ces deux-là. Ouais, Errof en a un, Myers n'a pas. Donc, on va checker encore 3-4 semaines de simulation. Puis si Errof et Myers ont pas plus de power play goal que ça, à ce moment-là, on mettra Tyler Biggs à la pointe. Mais pour l'instant, gars, on vient de gagner 8-1, c'est incroyable. 3-1, excuse, je pensais que j'avais vu 8. Mais 3-1, on a gagné 3-1, ça va bien. Je pensais qu'on allait finir comme 13, 12, 11e, parce que je sais qu'on a gagné une bonne équipe. On n'a pas la reconstruction, 100% reconstruction avec des jeunes de 68, on en a un ou deux avec Grigorenko. Mais on peut quand même faire des bons résultats, surtout avec notre premier trio, qui est probablement le trio le plus dangereux de la ligue présentement, avec Schwartz, Pominville et Ennis. Mais ce qu'il faut, c'est juste relancer le deuxième trio. Puis c'est normal, de toute façon, qu'il marche pas tant que ça, parce que c'est quand même un centre des ligues mineures qui est là avec Landeskog et Granlund.
Mais j'ai confiance que. Parce que j'ai confiance que Landeskog et Granlund peuvent aider. Ils sont tellement forts, ces deux-là, qu'ils peuvent aider le centre à avoir des bons résultats. Faut pas lâcher pour Grigorenko et Drouin. On va les laisser là, même si on n'a pas une bonne saison. Parce qu'anyway, c'est pas ça qu'on avait prévu, de toute façon, avoir une saison de 16, 11 et 4 qui est bon. Là. Présentement, on est comme pour 500, même un peu au-delà de 500. Ça va très bien pour les Nordiques, puis on s'attendait pas à ça. Surtout avec Gauthier-Leduc et Siemens à défensive. Puis on gagne des matchs, puis on score des buts. C'est une bonne nouvelle. Makarov est dans les buts depuis déjà un petit bout parce que je veux l'essayer. Je veux le faire jouer plus de matchs possible. Puis quand on gagne, c'est une bonne nouvelle. Ça va bien. 10 victoires pour Makarov. On a plus que Miller. Déplacement en Suisse, parfait. On va faire ça. On va aller checker nos statistiques. Puis après ça, on va terminer la vidéo là-dessus. Honnêtement, le potentiel dans la JMQ puis dans tout ça, ça fonctionne pas pantoute. Il y a vraiment pas. Il me disait que c'était un bon cru, mais je pense qu'il est dans. Je pense qu'il ment là, présentement, le gars. C'est vraiment pas un bon cru. C'est de la grosse merde. Les recrues pour l'instant. Là. Il y a personne à 4 étoiles et demi à date de ce que je vois. Donc là, on a gagné. On va aller voir les statistiques, voir si ça a changé. Pendant une coupe de victoires. Ouais, on est rendu à 60% de victoires. Ça veut dire qu'on est rendu la 6e meilleure équipe de la ligue. On score 2e plus buts. On alloue beaucoup trop de buts par contre. Ça, c'est correct, c'était prévu. Powerplay, elle fonctionne très bien, 22%. Donc, on n'a rien à changer sur le powerplay. Bonne nouvelle pour les joueurs. Bonne nouvelle pour les Nordiques. Je pensais pas que ça allait être aussi bon, notre reconstruction. Mais on a une sacrée belle reconstruction présentement pour les Nordiques. On peut rien qu'espérer encore mieux pour le reste des matchs qui s'en viennent dans les prochains jours. Pour le reste de la saison, peut-être même que les Nordiques vont faire les playoffs. Présentement, on est 3e meneur de notre division Nord-Est devant le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa. Donc le prochain match va être important et le prochain match va être dans le prochain épisode de Chummy TV. Merci d'avoir écouté. Ciao, bye!